Cela fait plus de 3 semaines que Albert Panebio expose à l'Atrium de la rue du Pont à Chalon-sur-Saône, avec déjà plus de 200 visiteurs. Albert, domicilié à Tournu, est un natif des Landes, du village de Castel-Sarrasin. Autodidacte, au parcours atypique, il nous raconte l'histoire qui est la sienne, ainsi que sa façon de travailler l'acrylique au couteau. Pour Albert, il y a deux façons d'apprendre, bêtement comme à l'école, ou alors en expérimentant, ce qui est la meilleure à ses yeux. Il aime le dialogue avec les visiteurs, expliquer avec passion son amour pour les couleurs. C'est un travail raffiné et élégant qu'il nous présente. Alors, je suis originaire d'Occitanie, plus exactement d'une ville qui s'appelle Castel-Sarrasin dans le Tarn-et-Garonne. J'ai commencé ma jeunesse dans l'agriculture. Mon père était propriétaire d'une petite ferme et à l'âge de 14 ans, j'ai été placé dans une autre ferme beaucoup plus grande comme commis de ferme en Aveyron. À l'âge de 15 ans, je suis parti dans la marine où j'ai été d'abord mécanicien, puis électricien dans l'aéronaval, avant de servir en Afrique du Nord, dans des zones de maintien de l'ordre. Alors, je suis arrivé à la formation artistique par un parcours un peu particulier. J'ai commencé par étudier la photographie grâce au cours par correspondance de l'école universelle. J'ai fait quelques reportages en tant que reporter freelance. Et comme j'ai eu un petit souci de santé, je suis rentré dans l'industrie photographique, en particulier chez Kodak, à l'usine de Vincennes, avant d'être transféré à Champs-sur-Saône en 1970. Et j'ai donc pris ma retraite en 1995. Et là, je suis parti prendre un petit peu de vacances, un petit peu de voilier pendant une dizaine d'années, 6 ans de camping-car. Et ensuite, je me suis mis à construire ma maison pour la retraite à Tournu. Et c'est là qu'a commencé, je dirais, ma carrière artistique. Alors, mon processus de création, c'est un petit peu le hasard. Je venais de terminer de faire un crépi, il me restait un petit peu d'enduit et j'avais à ma disposition quelques colorants qui servent à colorer le crépi. Bon, le mortier est quelque chose de difficile à travailler, ça se fait au couteau, c'est très long à sécher, il faut beaucoup de temps pour réaliser un tableau. Et un jour, je me suis dit, après tout, pourquoi je ne tenterais pas de faire une toile? Et je suis parti à faire une toile. Bon, j'ai fait quelque chose de simple, un paysage désertique avec quelques palmiers. Bon, j'ai trouvé ça satisfaisant et je suis parti comme ça à faire un petit peu de figuratif. Mais le figuratif, ce n'est pas tellement ma tasse de thé parce que j'aime pas copier. J'aime bien trouver, j'aime bien faire de ce qu'on appelle de l'expérimentation. Et à force de faire l'expérimentation, j'ai progressivement abandonné le figuratif pour passer à quelque chose de plus abstrait. Et quand je dis abstrait, c'est vraiment de l'imaginatif. Et la couleur, c'est la vie. Et comme je viens du sud de la France, comme je vous l'ai dit, on aime bien toutes les couleurs chaudes. Donc comme vous pouvez le voir, mon exposition est effectivement très colorée. D'ailleurs, je dis aux gens, venez prendre un bain de couleurs, ça va vous regaillardir. Je garde, si vous voulez, depuis la photographie, quelques notions de couleurs qui s'appliquent d'ailleurs pas toujours à la peinture, mais qui se rapprochent beaucoup. Je sais, par expérimentation, marier les couleurs. Hein, et disons que je travaille presque intuitivement, je ne réfléchis même pas. Je me lance sur un tableau et instinctivement, je mets telle ou telle couleur ou je mélange telle ou telle couleur pour donner ce qui me passe par la tête. Je n'ai pas de sujet prédéfini. Quand je fais un tableau, je démarre et puis le hasard fait le reste. Sur mes bustes, la couleur, elle n'est pas liée aux femmes. La couleur, elle est liée à une visite que j'ai faite chez mon ami Bernard Denis, qui est un artiste plasticien chalonnais, qui a lui aussi fait des bustes avec une méthode très différente de la mienne. Ces bustes étaient très colorés. Comme j'aime bien la couleur, j'ai dit, je vais essayer moi d'en faire en peinture. Et je me suis lancé dans la fabrication de quelques bustes au couteau. Ce qui est très, très difficile puisque ce n'est pas plat. Donc le couteau n'est déjà pas facile à travailler sur du plat. Donc sur du bombé ou sur des creux, c'est encore plus difficile. Et puis bon, le premier buste étant réussi, j'ai continué. J'en avais acheté 6 à refaire. J'ai fait les 6. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai fait aussi 2 mannequins de couturière pour voir ce que ça allait donner. Et il n'y a pas d'homme pour une raison simple, c'est que dans le lot que j'ai acheté, il n'y en avait pas. Il n'est pas dit qu'un jour d'ailleurs je n'en fasse pas. Alors mes tableaux, si vous voulez, bon, j'ai ma petite recette de cuisine que je ne vais pas effectivement dévoiler. Hein, mais je pars d'une petite idée. Par exemple, vous avez un tableau qui représente un canon, vous voyez. Alors je me dis, tiens, on va faire par exemple un tir de canon, mais quand on tire au canon, il faut savoir qu'en face, ça riposte. Hein, donc vous voyez sur ce tableau-là, vous avez la fumée qui sort du canon qui vient de tirer, hein, et vous avez de chaque côté 2 explosions qui représentent le reste du tableau. Voilà la composition de base de ce tableau. Alors je travaille exclusivement des couteaux,
pas tout à fait des couteaux ordinaires, puisque ce sont des couteaux que j'ai plus ou moins modifiés pour arriver à faire ce que je fais, parce qu'avec un couteau normal, ça serait presque impossible. Mais disons que j'ai une quarantaine de couteaux qui me servent pour les différentes façons de faire mes traits. J'ai mes instruments, j'aime bien faire de la recherche, hein, j'aime bien faire ce que les autres ne font pas. L'année dernière, j'ai eu un petit accident, je me suis fait renverser par une voiture, ce qui fait que j'ai failli arrêter la peinture. Là, j'ai recommencé il y a 4 mois. Et entre-temps, pensant que je n'allais pas pouvoir continuer, je n'ai pas réservé de salle. Et vous savez comme moi qu'il est très, très difficile d'avoir des salles. Donc maintenant, je disposerai peut-être d'ici un an ou deux, mais pas avant, puisque je n'ai pas de salle disponible. J'ai une œuvre qui est quelque chose que je n'aime pas faire, mais que j'aime quand même exceptionnellement. C'est celle où il y a les bateaux. Vous avez 3 voiliers. Il s'agit de la course entre Cannes et Saint-Tropez, ce qu'on appelle la course des Wallis. Et vous avez le moment où les Wallis prennent leur virage après la bouée. Et ça, je l'ai baptisé la ronde des voiliers. Et j'en ai un deuxième qui est un tableau relativement compliqué à réaliser, que j'appelle Lune magique, vous voyez, qui est ici, et qui est très compliqué à réaliser parce qu'on travaille en multicouche. Et il faut travailler la couche suivante avant que la première soit sèche. Donc il faut aller relativement vite sur des choses compliquées. Alors mon premier tableau en mortier, je l'ai fait en 2011, vers le mois de septembre. J'ai déjà fait un petit peu de sculpture dans le tas. J'ai sculpté un peu de pierre, j'ai sculpté avec de la glaise. Et, je dois avouer que mes mains étant très abîmées, ça m'est très difficile. J'y resterai dans la peinture, mais je vais partir sur une autre technique. C'est-à-dire qu'à partir du couteau, je vais incruster d'autres éléments dans la peinture. J'aime bien tout ce qui est volumineux. J'aime donner du relief à mes tableaux. Et ensuite, je les vernis avec 3 couches de vernis, de façon qu'on puisse les toucher. Beaucoup de mes visiteurs me demandent s'ils peuvent toucher les tableaux. Je réponds oui, parce que c'est un toucher très agréable. On ne vit pas de la peinture. Je ne connais pas actuellement de peintre qui soit riche avant d'être mort. Le prix des tableaux que je fais, le prix que je propose, se situe entre 150 et 900 euros. Personnellement, je compte le prix d'un tableau plus à son travail, à son rendu, qu'à sa taille. Les mannequins sont à 350 euros, ce qui est très très raisonnable, compte tenu du travail fourni et puis du coût des matières premières. Je termine aujourd'hui ma 14e exposition. J'en ai fait 7 en collective, hein, et j'en ai fait 6 en individuel et une en duo. Voilà. Donc, mais je n'ai exposé que régionalement, c'est-à-dire que j'expose autour de Tournu, si vous voulez, à Cuiserie, à Saint-Cé-le-Grand, je vais jusqu'à Bligny-sur-Ouche, vous voyez, je vais à Saint-Usuge et à Chalon-sur-Saône. Voilà. Et à Givry aussi. C'est ma 3e semaine que je termine à l'Atrium.